Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Je joue votre équipe. On retourne en monotype à format, vous le savez que j'aime beaucoup. Et on a une monotype O ici proposée par Vianney. Et c'est vrai que le type O, c'est l'un des meilleurs types en monotype. Et dans cette équipe, on a, vous le voyez, 3 starters. C'est assez... Enfin, je m'en suis rendu compte en préparant le layout. Il y a 3 starters dans l'équipe, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, on commence par Tokopisco dans une monotype O. C'est quand même assez logique. C'est tellement l'un des meilleurs Pokémon de type O. C'est assez logique, il y a beaucoup de vitesse, hein, ce Tokopisco, vous le voyez, max PV, avec un petit peu de défense, et on a le truc le plus intéressant sur lui, c'est surtout cette attaque Z de type glace avec buée noire. Z buée noire, alors ça fait buée noire, mais en plus de ça, Tokopisco récupère tous ses points de vie. C'est quand même assez génial. L'adversaire il voit pas les restes, et là il dit quoi, mais il récupère pas ses PV, et là boum, Z buée noire. C'est parfait, on récupère tout, c'est splendide. À côté de ça, on a ébullition, pouvoir lunaire et anti-brume, bien sûr, pour virer les Entry Hazards. On a Lagon qui lui va les poser les Entry Hazards, donc avec les pièges de roc. On a ébullition, séisme et hurlement piège de roc sur Lagon. On sait à quel point c'est fort, on est max défense ici. On a un Motisma, mouchoir choix, tour magique, un truc que j'ai beaucoup joué quand je jouais en OU à l'époque. Bon, c'était avec un Motisma four moi à l'époque, mais en tout cas c'est un set que j'aime beaucoup, tour magique, mouchoir choix. Derrière nous avons un méga Tortank avec les 4 attaques classiques de Tortank évidemment, hein. Donc Vibraqua, Aura Sphère, Laser Glace et Vibre Obscur. On a un Aquali, Rest, Absorbo bien sûr, un Cléric avec Glas de Soin. Et vœux, bien entendu, on a abri pour manger le vœu sans prendre de dégâts dans le tour. On a ébullition également pour brûler, c'est très très bien. On est max défense encore une fois, on n'a pas tellement besoin d'investir en défense spéciale. Et pour finir, on a un sympathique pingoléon lunette choix avec hydrocanon, nœud herbe, luminocanon et puissance cachée feu. La puissance cachée feu qui va être vraiment très intéressante, notamment contre les noaciers, des choses comme ça. En tout cas, on commence face à une mono normale, ça c'est intéressant. Je pense que le match-up est vraiment très 50-50, hein. Je vois pas pourquoi il serait plus à l'avantage de moi ou plus à l'avantage de mon adversaire. Donc on va lead avec... Alors, le problème, ça va être le Pashmina qui a Balgren, très probablement. Ça peut être chiant. Est-ce qu'on n'enverrait pas... Motisma... Non, donnez mouchoir choix, non, on veut pas. On va envoyer Pingoléon et ça envoie le Pashmina en lead, hein. Pas de doute là-dessus. On va faire hydrocanon. Alors il va peut-être faire Balgren en espérant me flinch grâce à la roche royale. Ça serait un peu chiant, surtout qu'il me 2 HKO avec Balgren là, vu qu'il me fait moins 10% avec ses attaques là. On prend pas le flinch et on fait le KO. Bah écoutez, un premier tour qui est plutôt à mon avantage, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre derrière face à Ronflex, ça c'est moins rigolo. Qu'est-ce qu'on va faire face à Ronflex? On va envoyer Tokopisco. S'il place Cognobidon, on fait buée noire. Voilà. Ok, malédiction. D'accord. Bon, c'est pas ouf. On va faire buée noire du coup. Est-ce qu'il refait malédiction? Non, plaquage. Coup critique. Ok. On peut pas se faire paralyser évidemment, puisqu'il y a le champ brumeux. Derrière. Non, on n'a pas le casque-route. On a bien les restes, hein, sur Lagron. On va envoyer Lagron. Ok, on reprend. Encore un coup critique, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va faire piège de roc. Ok, face à Porygon 2. Je vois pas trop ce qu'il veut faire Porygon 2 face à Lagron. On va y aller pour hurlement. Triple attaque, c'est tout ce que je peux imaginer. Ouais, ça va faire mal quand même. Et encore un coup critique. Non, mais je pense que c'est une blague là. Hein. Dites-vous que je tourne cet épisode le même jour que j'ai tourné l'épisode 27. 28, pardon. Oui, non, 27. L'épisode où j'ai pris des coups critiques à presque toutes les attaques que j'ai reçues lors de mon premier combat. Donc, je vous laisse imaginer mon état d'esprit. On va faire un petit séisme. Abri, d'accord. Bah, ça me permet de récupérer avec les restes. Je pense que c'est une très mauvaise idée de sa part. On va y aller pour séisme, du coup. 32%. Bon, c'est pas ouf, hein. Riposte. D'accord. On en est là. On en est arrivé là. Ok, bon, on va envoyer le Motisma. Je suis tenté de faire tour magique. Allez, je vais le faire. On a pris riposte. Je sais pas quoi dire là. Ok, ah, il est probablement mouchoir choix lui aussi.
Ouais, les mouchoirs chevaliers aussi. Du coup, je suis pas coincé. Malgré tout. Puisque j'ai obtenu là un nouveau mouchoir choix. Et j'ai pas encore attaqué avec ce nouveau mouchoir choix. Bah, on va y aller pour Tonnerre, bien sûr. Il va certainement se bloquer sur Tonnerre lui aussi. Bah, ouais, évidemment. Par contre, il m'a mis cher. Hein. Il m'a mis vraiment cher. Faut qu'on gagne le speed tie. Allez, mon grand. Un jour, je serai la meilleure laveuse. Ok. Bah, en fait, moi, j'avais pas encore gagné, même si je gagnais speed tie, alors que lui, il avait gagné, si lui gagnait speed tie. Donc, je pense qu'il aurait dû rester. Il aurait dû le tenter, à mon avis. Un peu dommage de sa part. Pagoléon, il est pas... Torrent est pas activé encore pour Pagoléon, ça, c'est vraiment dommage. On va envoyer le... On va... Oh non, pas de paralysie. Sérieusement, quoi. JPP bon, ok, on a mis 43% avec Aurasphère. Non, on le tuera jamais avec... Bah, en fait, là, on a potentiellement le KO avec Aurasphère. Ok, ça envoie l'euphorique, on a rien à foutre de Aurasphère, même si c'est super efficace. Oh, rien à foutre, j'exagère quand même. Parce que là, il est à portée de KO. Faut pas qu'on se prenne de Parax, par contre. Ah ben non, mais ça brille, je suis bête. Évidemment qu'il va s'abriter. Du coup, il tient Aurasphère probablement si on fait les mêmes dégâts que l'Aurasphère d'avant. Je pense qu'on va envoyer Aquali, faire vœu et renvoyer. Oh non, attendez, on peut faire. On peut faire plutôt glas de soins dans un premier temps. Eh oui, évidemment. Hop, plus de paralysie. Bon, c'est pas très grave hein, de prendre. De prendre Frappe Atlas vu l'énorme bastat PV de Aquali. Il a quand même il a quand même 130 de bastat PV, c'est énormissime. Ok, P2, d'accord. Alors, par contre, sur Tonnerre, il va être un peu chiant, lui. Hein. On va envoyer Motisma. Je pense qu'on tient. Non, triple attaque, je pense pas. Ah, merde. Ah, du coup, on a perdu le vœu, c'est un drame. C'est un drame. J'aurais dû... Oh, en vrai, j'envoie. Ah, mais non, mais j'envoyais. Bon, en même temps, si c'est Donner, j'étais coincé. Mais si j'envoyais pas un Goléon, il activait Torrent. J'étais tellement bien. Mais tellement bien. On va l'envoyer quand même pas un Goléon. On va faire Hydrocanon. Pour le mettre à portée de KO sur Aurasphère, en fait. C'est ça le plan. Au final, les deux Pokémon les plus gênants dans sa team, c'est quoi? C'est. Pashmila à cause de sa balle graine, on l'a géré directement. Et je pense le Porygon 2 à cause de son bulk, quoi. Je pense. Faut pas qu'on loupe. Ok, bon, il switch. Dans ce cas-là, on se pose pas la question. On peut louper, c'est pas très grave, là. 50%. Ah bon? Bon, j'en ai encore 5. Je me permets de refaire Hydrocanon. Si ça brite, on a probablement le KO au tour suivant, quand même. Ou alors, il est obligé de switch. Mais s'il switch, il prend très très cher. Merci les lunettes choix. Allez, on loupe pas, merci. Oh, il y a un PV, c'est pas vrai. Il a misé sur le fait qu'il allait résister, quoi. Mais non, gros, non. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Autant je veux bien que je tilde de temps en temps, c'est une chose. Mais là, à un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Ça va trop loin. Déjà, j'ai pas loupé Hydrocanon. Mais de quoi est-ce que je me plains? Je n'ai pas loupé Hydrocanon. Voyons. Je vais spammer Aurasphère comme un mongol. Il va se soigner à l'infini. Voilà, il va me défoncer. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Jamais je pourrais menacer suffisamment son Euphorie et son Porygon 2. Il a beaucoup trop de soins. C'est un calvaire. On va envoyer Pingoléon et prier très fort, mais est-ce que ça suffira de prier très fort? Je ne sais pas.
Ok, il est à repos. Intéressant. Ça. On va renvoyer Akoli. On va essayer de soigner tout le monde. C'est peut-être ma seule issue dans ce combat. Il est blablabla, d'accord. Non, on va faire vœu. Et on va envoyer... Mais vas-y, mais il choisit ses attaques, lui, c'est pas possible! Pour de vrai! Il choisit ses attaques, je pense, parce que j'ai du mal à croire autre chose, là. Ok, il refait malédiction, ça c'est cool, parce qu'on va lui faire buée noire. Qu'on n'a pas encore fait dans ce combat, je crois pas. Ah si, on l'a déjà fait, ok. On l'a déjà fait, du coup, il va attaquer ce tour-ci. Ouais, ouais, c'est logique. On va faire pouvoir lunaire, ça sert à rien, mais on n'a pas grand-chose d'autre à faire, là. Ça sert à rien, on attaque, mais ça sert à rien là. Ah, ça va faire quoi? Ça va faire malédiction encore une fois? Non, mais je peux pas gagner. Je peux pas gagner, je perds mon temps avec ce combat, je peux pas le gagner. Je ne pourrais pas le gagner. Ok, bon. Bon, celui-là il va être difficile à perdre. Hein. Mono eau contre mono feu. Là, très clairement, c'est pas la folie pour mon adversaire. Est-ce qu'il y a de quoi virer les rocs? Non. Il y a Chartor pour les poser. On va envoyer Motisma. Oh merde, c'est pas Chartor en lead, dommage. Un peu déçu. Et on va faire Hydrocanon, je sais bien qu'il a... Oh, demi-tour. Ok, il est Scar. D'accord. Ok, Victini, parfait. Et on loupe. Vraiment, bravo, bravo, bravo des adversaires vraiment très très forts. Ça reste face à un Motisma en faisant choc psy. Ah bon? D'accord. Ok. Mais je pense que Shodan est un asile de fou. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait tout un tas de choses qu'on comprend pas depuis si longtemps. Ok, on prend que 30% sur le soleil, c'est vraiment pas grand chose. Ok, il y a le soleil, mais il va quand même prendre cher. Ah oui, le cœur en un coup. Ok, mais il y a le soleil. Bon, merci les lunettes choix, du coup. Oh, quoique non, c'est pas si choquant. Ah, par contre, lui, il va piquer un petit peu. Un tout petit peu. Est-ce qu'on peut sacrifier Pangoléon? Oui, on a fait le taf. Le taf de Pangoléon, c'était tuer le Chartor. Et c'est fait. Ouais, il perd des points de vie. On envoie Motisma, on est mouchoir choix. Et on fait Hydrocanon, faut pas louper. On a loupé au premier tour, voilà, ça aurait été vraiment infâme qu'on loupe encore une fois. Alors que le combat est gagné d'avance avec le match-up. Ouais, j'ai pas envie de me prendre Cradovac sur Tokobisco, hein. Ça me plairait pas trop. On pense à Galius évidemment quand on dit ça. On va envoyer. Je sais pas. Oh, Aqualie, on a rien à foutre normalement. Oh, le Z, c'est quoi? Oh, Z Zenith, d'accord, intéressant. Ok, ok, on va faire vœu. 35% ça va, hein. Même une brûlure aurait pas été très très grave. Je vais envoyer Motisma. Ok, j'ai eu peur un petit peu de lance-soleil quand même, hein. Et hop, on récupère presque tous nos PV. Akoli a beaucoup beaucoup plus de PV que Motisma. Du coup, la moitié des PV de Akoli, vous avez vu, ça représente 90% des PV de Motisma. C'est assez dingue. On peut faire tour magique là. Hein. Quoique, est-ce qu'on a envie de booster? Non, non, on n'a pas envie de booster. On n'a pas envie de booster en vitesse. On va faire le KO. Non, non, c'est bon. On va pas faire n'importe quoi. Il y a ossature derrière. Pourquoi il est pas envoyé avant? T'aurais dû, mon grand. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on va envoyer Lagron. Os ombre, ok. Mais on est plus rapide. On est plus rapide et on va faire plus mal avec... On va faire plus mal avec Seisp qu'avec Ébullition. Hein. Ok, on fait pas le KO. Même s'il est meilleur en défense physique qu'en défense spéciale. D'ailleurs, on a juste envoyé un Pokémon plus rapide, c'est-à-dire à peu près n'importe lequel de mes Pokémon. En l'occurrence, Torotank. On va faire... Attends. Non, on va faire vivre à quoi, ça change rien. J'allais dire on va faire vivre obscur, mais non, autant faire vivre à quoi, il n'y a que des Pokémon feu dans son équipe, qu'est-ce que je raconte moi? Je raconte n'importe quoi. Bah allons-y, hein, encore une fois. Ok, on prend tonnerre, ça fait pas le chaos.
Sans surprise. On vient le victimer, il reste plus que le Dalomacho. Qui va se suicider au fur et à mesure avec les dégâts de recul de bout de feu. Dans le meilleur des cas, pour lui, il meurt en se suicidant. Hein. On met le champ brumeux, du coup, il peut pas nous brûler, c'est parfait. Et voilà, on va très certainement en terminer avec l'ébullition. Ok, bon. Bon, je l'ai gagné, mais en même temps, c'était mono-eau contre mono-feu. Donc, le combat était pas spécialement... Le combat était pas spécialement compliqué, vous allez me dire. Hein. C'est clair. Ok, on a passé une monopsie cette fois-ci. Là, je vois pas trop pour qui est le match-up. Le Flagados va être très chiant à tuer. On va devoir compter sur, sur Tortank. Attention, si c'est un méga Flagados avec plénitude, ça pourrait être très embêtant. Après, il y a un Alakazam. Hein, donc, je pense que le méga, c'est peut-être plutôt le Alakazam. J'ai du mal à voir un Alakazam pas méga ici, quand même. Il y a Jirachi pour poser Rock. Jirachi qui est bien géré par Tortank également. On va envoyer Pingoléon. Lagron dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. On va faire piège de Rock. Ça va, prendre, ça va faire quoi? Dracométéor? On pourra envoyer. On aurait pu envoyer Pingoléon ici. Il est... Ok, Orbe Vie, d'accord. Il est obligé de switch, je pense. Ou alors de faire anti-brume. Tiens, Tocopisco, il est intuable pour son équipe. Il fait anti-brume maintenant, d'accord. Ok, très bien. Ça va envoyer Jirachi, je suppose. Je suis tenté de renvoyer Lagron, en fait. On va faire ébullition dans un premier temps. Ouais, ça envoie Jirachi. Ça devrait poser les rocs ici. Ouais. J'ai pas peur sur Jirachi pour l'instant. Lui il doit avoir peur de mon séisme par contre. Du coup on va poser les rocs. J'ai du mal à le voir me mettre KO ici. Ok, ça envoie la Latios, ça c'est très très bien. Et on récupère un petit peu de points de vie, ça fait plaisir. On va envoyer Pingoléon qui va mettre une grosse pression à cette team là. Ok, Choc Psy, très très bien. Il perd un petit peu de points de vie avec l'Orbe Vie, ça fait plaisir. On va faire Lumino Canon pour l'instant. Parce que là, il peut se sentir tranquille et faire anti-brume. Ok, Jirachi. Oh, dommage, si je faisais Hydro Canon, c'était tellement win. Petit coup critique, il sert pas à grand chose, ça ne met pas à range de quoi que ce soit. Dommage pour moi, on va envoyer. Je vais envoyer Aquali ici. Je crains pas grand chose, je pense. Ok, demi-tour. Ok, alors demi-tour. Ouais. Faire demi-tour alors qu'il y a les rocs d'un côté comme de l'autre, je sais pas. Je suis pas fan. Meloetta, tiens. Ok. Est-ce qu'un petit vœu serait pas le bienvenu ici? Je pense que oui. Hein. Oh, d'accord. Ok, tour magique. Et on va envoyer mon ami Lagron, bien sûr. C'est vraiment embêtant pour lui, hein, jusqu'ici. Ah, on prend le cœur sur Psycho. Est-ce que c'était pas évident, en fait? Est-ce que je suis pas en tilt total? Je crois que oui. Bon. Face à Meloetta, on peut envoyer Tortank, ça devrait pas être un souci. On peut faire Vibre Obscur. Prend beaucoup, beaucoup trop cher sur toute cette team. On a encore un collier qui peut faire vœu sans problème. Même assez facilement grâce au mouchoir choix qui a été donné par le Meloetta, je dirais. Oh, 48%, d'accord. Et on... What? Attends, il nous fait autant de dégâts. Et il prend aussi peu cher. D'accord, ok. C'est un peu triste, pour moi. On va envoyer Motisma. Oh la vache. Je pense qu'on le tue pas avec Tonnerre, on va faire Hydrocanon du coup. Ah, si on m'avait dit que Meloetta allait me mettre la douille, j'aurais pas cru. Je
n'y aurais pas trop cru. Ok. Pourquoi j'ai un sablier là sur mon curseur là? Pourquoi donc? Parce qu'on attend le joueur adverse. Oui, oui, on attend le joueur adverse. On ne sait pas ce qu'il fait. Ok, c'est bon. Hydrocanon, c'est fait. Ok, Togobisco il a rien à foutre de Latios. Sharkfish c'est un peu chiant. Ok, oh il a atterrissage, j'en avais pas encore vu. Intéressant, ici on va faire des fogs. J'en ai besoin. Il a fait demi-tour hein, le Jirachi quand j'ai switch tout à l'heure hein. On va faire ébullition. Oh il est plus lent. Ok. Ça repose les rocs. Ah mais Togobisco il est pas menacé hein. Il meurt pas. Et le demi-tour, ok. Ça, c'est logique. Il savait qu'il était tranquille pendant encore un moment. On va faire anti-bruit maintenant. Ah, mais oui, ça charge fou de trucs de Zekrom. C'est vrai. Bah, j'ai pas le droit de pas m'en souvenir. C'est sûr. Bah, ouais, ébullition. T'envoies Latios, t'as gagné, en fait. J'y vais en ce moment, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie, hein. Aïe, 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 aïe. Ça gagne plus trop, hein. Ah, les mouchoirs choix. Ok, d'accord. Ok, bon bah, rip. J'ai perdu, je peux pas gagner. Il va tuer tous mes Pokémon les uns après les autres. Je ne peux pas gagner, on va rester là, du coup. Bon, alors, monotype O, c'est fort. Bon, j'ai fait que 3 combats après, hein, mais... Monotype... Enfin, le type O, c'est un des meilleurs types à monotype. Bon, ça ne s'est pas traduit ici, même si l'équipe était plutôt bonne, je pense, hein. Ça me paraît très correct, ça me paraît équilibré. J'ai tilt hein. En ce moment je suis en tilt total. Et dites-vous que ça risque d'être la même chose samedi prochain, parce que je tourne l'épisode de samedi prochain juste après celui-là. Donc ça risque d'être encore une fois une catastrophe. Ce sera en overuse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis rendez-vous samedi prochain pour le prochain jeu de votre équipe. Salut tout le monde.